Allô, aujourd'hui, je te présente des nouveautés qu'on a reçues récemment à la bibliothèque que tu peux venir chercher pendant la semaine de relâche et même après. On en a reçu plein d'autres, alors n'hésite pas à venir faire un tour à la bibliothèque pour en emprunter tout plein. Le premier livre que je te présente, c'est Albertine Petitbrin d'amour déteste les choux de Bruxelles. C'est écrit par Anne Renaud, illustré par Élodie Duhameau, aux éditions La Courte Échelle. Alors, c'est un album vraiment très, très drôle, dans lequel, en plus, à la fin, il y a une recette vraiment, mais vraiment originale que tu pourrais tester pendant la semaine de relâche. Je te raconte un peu l'histoire. Alors, Albertine, elle écrit des listes. Elle adore ça, faire ça. Alors, elle écrit, par exemple, ses mots favoris dans un carnet. Elle va aussi écrire sa nourriture préférée. Et la liste des super pouvoirs qu'elle rêve d'avoir. Ben, il y a une chose qu'on ne trouvera jamais sur ces listes, c'est les choux de Bruxelles. Mais un jour, sa maman, elle va lui dire peut-être que les choux de Bruxelles, ça pourrait donner des super pouvoirs. Et là, ça commence à mijoter dans la tête d'Albertine. Et là, elle se dit, faudrait que je vois, que je teste voir quel super pouvoir les choux de Bruxelles pourraient me donner. Alors là, il va falloir qu'elle trouve une recette. C'est justement la recette super originale que je te parlais au début, qui se trouve à la fin du livre, que tu vas peut-être pouvoir tester. Faudrait que je la teste, moi, ça serait comique. Je pourrais voir aussi si ça me donnerait des super pouvoirs. Alors, je t'en dis pas plus, mais si jamais ça te tente de l'emprunter à la bibliothèque, il est disponible. Le prochain que je te présente, ça s'appelle « La symphonie des animaux ». C'est écrit par Dan Brown et c'est lui aussi qui a composé la musique que tu vas pouvoir écouter à l'intérieur parce que tu peux télécharger une application sur un téléphone ou une tablette. Je vais te faire écouter un petit extrait, là, la première page dans le fond. Et il y a de la musique comme ça pour toutes les pages. Alors, l'histoire, c'est Maestro Sourisso qui t'attend parce qu'il te prépare, lui et ses amis, les musiciens que tu vas découvrir au fil des pages. Il te prépare une surprise à la toute fin de l'histoire. Mais c'est aussi un livre-jeu parce qu'il va falloir que tu vas comme te transformer en détective. À chaque page, je te donne le défi de trouver un abeille, et aussi il y a des lettres qui sont cachées dans les illustrations. C'est par exemple ici, là, l'abeille, elle est cachée en arrière de l'oreille du kangourou. Et est-ce qu'on est capable de trouver une lettre ensemble? Ils sont quand même très bien cachés, tu dois toutes les trouver pour... ça va former comme un mot, là, je te donne un indice, là. Bon, là, vite comme ça, j'en trouve pas, évidemment. Mais il y en a plein de cachés. Alors, c'est genre un cherche-y-trouve en même temps. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Tu vas pouvoir t'amuser pendant un long moment aussi avec lui. On passe au documentaire. Alors, celui-là, « La vie secrète des crottes de nez » aux éditions Rue du Monde. Ben, si tu veux en apprendre plus sur les crottes de nez et rire un bon coup aussi, c'est vraiment chouette comme documentaire. Alors, ça ressemble à ça à l'intérieur. Et à la fin aussi, il y a même des vrais ou faux, là, voir si tu connais bien les crottes de nez. Alors, peut-être que ça peut t'intéresser. Le prochain, L'Homme des neiges. Alors ça, c'est paru chez Québec Amérique. C'est l'histoire de Joseph Armand Bombardier, celui qui a inventé la motoneige. C'est vraiment chouette comme documentaire. Là, on voit vraiment sa vie, là, de sa jeunesse, jusqu'à temps qu'il soit plus vieux, ça se dit pas. C'est vraiment sa biographie, sa vie, les créations là, de la motoneige. Moi, ça m'a vraiment surpris, là. Il y a vraiment plusieurs prototypes, dans le fond, qu'il a fait avant d'arriver à la motoneige qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Là, je peux te montrer, là, au début, ça ressemblait un peu à ça, ce qu'il avait inventé. Il y a quand même plus de texte dans celui-là, mais c'est super intéressant. Et le dernier documentaire, La grande épopée du hockey au Québec, aux éditions
au zoo. Celui-là, si tu veux, t'aimes un peu les bizarres mais vrais, tu sais, plein d'anecdotes là, un peu étranges sur le hockey, ben ça là, c'est parfait. Moi, j'ai adoré. Je vais t'en dire, en fait, je vais t'en lire quelques-unes. Premier fait cocasse, il y a vraiment longtemps, ils utilisaient le crottin de cheval gelé comme rondelle de hockey. D'après toi, il y a combien d'arénas au Québec? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Il y en a 400! 400 arénas au Québec. On passe maintenant au roman. Le premier que je vais te présenter, c'est dans la collection Les Surdoués, écrit par Valérie Fontaine. Celui-là, c'est Dario Pilote pour vrai. C'est un livre à grand caractère dans lequel tu vas pouvoir découvrir le métier de pilote d'avion. Et il y a même des mots qui sont parfois en caractère gras, qui sont vraiment des mots utilisés, c'est des mots de vocabulaire de pilote, si je peux dire ça. Alors, ça se retrouve à la toute fin. Alors, tu vas pouvoir même, après ta lecture, utiliser des mots que les pilotes utilisent dans la vie de tous les jours quand ils exercent leur métier. Dario, il a 13 ans et il va à l'école des surdoués, école dans laquelle, lui, il va apprendre à piloter des avions malgré son jeune âge. L'action commence vraiment à prendre forme à peu près à la moitié du roman. Mais accroche-toi bien, parce que quand ça commence, ça brasse. Je te recommande aussi les deux autres titres de la collection. On a Éléonie, vétérinaire pour vrai, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et on a aussi Théo, policier pour vrai. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais si jamais le métier de policier t'intéresse, tu peux aussi l'emprunter. Ensuite, on a CSI Ruel, le tome 1. Mystère au jardin communautaire, écrit par Audrey Archambault aux éditions La Bagnole. C'est aussi dans la collection Je lis seul. Alors celui-là aussi, c'est un roman à gros caractère. Et on enquête dans le fond à savoir qui a saccagé le jardin de la ruelle. Alors il y a trois amis là, on les voit pas très bien à cause de l'étiquette nouveauté. Ils sont là juste derrière. Trois amis qui vont enquêter à savoir lequel des voisins a fait saccager le jardin. Alors, c'est vraiment chouette comme roman. Et il y a même une suite, on a le tome 2 aussi, déjà disponible à la bibliothèque. Et les deux derniers que je te présente, ce sont des bandes dessinées. Petit Hibou, le retour à la maison. Ça, c'est le premier d'une série, c'est tout nouveau. Dans le fond, à l'intérieur, tu as deux histoires. Je te montre un peu l'intérieur. Ça ressemble à ça. Oups. Alors, il y a un petit peu de texte. C'est parfait pour ceux qui commencent à lire des bandes dessinées, les premiers lecteurs, mais ça va pouvoir plaire aussi, là, même si tu as 9-10 ans également. C'est vraiment mignon comme histoire. Alors, on a Petit Hibou qui est malheureusement un peu rejeté par tous les autres animaux de la forêt, mais il va découvrir, en fait, il va faire la rencontre de Vermi, un petit ver de terre avec lequel il va se lier d'amitié. Ils vont vivre toutes sortes d'aventures. Et la prochaine que je voulais te présenter, et la dernière, c'est Plumeau et Phobie, tout ou rien. Alors ça, c'est une bande dessinée, là. Il y a plusieurs tomes qui sont déjà parus. On les a aussi à la bibliothèque. Alors, dans cet épisode-là, dans le fond, ils vont faire une course. J'essaie de te montrer, là, c'est comme une course à brouette, là. Ben, ça commence comme ça, en fait. Et voilà. Alors, c'est une bande dessinée vraiment humoristique. Il y a beaucoup d'amitié à l'intérieur. Et je te laisse découvrir la suite. C'est ce qui conclut ma vidéo pour les suggestions de lecture 6-9 ans. À la prochaine! Bye bye!